Et bonsoir. Ah oui, évidemment. Et puis, hier, on était en configuration un peu spécifique pour l'unboxing des cartes. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez, on va laisser ça. Il y a ça, il y a un petit plat au niveau de la aussi. Jack, comment ça va? On va tenter un truc comme ça ce soir. Voilà, comme ça. Ouais, ça va bien, écoute. T'as bossé ce week-end? Mes lunettes, là je vois absolument rien. Hop. Voilà, let's go. Yep, Gospel à Saint-Martin de Croix. Ok, cool. Pas ça. Ça.
Ah, je me suis trouvé une petite application là sympa. Ça me permet d'avoir des faders sur ma tablette pour contrôler les niveaux de son de voice meter. Du coup, c'est trop bien. Et mon week-end, bah écoute, c'était assez cool. Ouais. J'ai vu un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, la banana. Et et du coup, on a fait une ouverture de cartes Pokémon. C'était trop bien. Il a chopé plein de cartes trop cool. Donc, c'était sympa. Et l'application, ça s'appelle Touch DWA. En fait, si tu veux, ça permet d'utiliser tout ce qui contrôle DWA ou MIDI depuis ta tablette, quoi. Et t'as plein de modes et trucs trop bien, quoi. Et tu peux personnaliser tes machins et tout. J'ai pas encore tout essayé sur l'application, j'ai pas encore vu tout ce qui est possible de faire. Mais en tout cas, là, déjà, avec le fait de pouvoir gérer indépendamment le son de l'ordi, le Discord et tout ce qui est alerte sonore directement manuellement avec des faders virtuels, c'est carrément mieux que de cliquer à la souris en me mettant des faders sur 50 faders sur OBS. Et du coup, je n'y arrive pas, je n'y vois pas quoi. C'est pas pratique. Donc là, hop, à la main. Bon, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il y ait le PFL aussi dessus, mais bon, il n'y est pas. Et ça, c'est peut-être un peu trop, j'ai envie de dire. Ben voilà. Bon, j'ai lancé le jeu quand même. Alors, il est où? Il est là. Game. Mais du coup, ouais, l'application est plutôt sympa et ouais, c'est très pratique, quoi. Très très pratique. Du coup, tu peux un peu faire ce que tu veux, quoi. Hein. À partir du moment où tu attribues ta touche à une fonction sur ton ordi, à mon avis, tu dois être quasi illimité sur ce que tu veux faire. Hein. Ouais, sans Wi-Fi, là, tu vois. Donc du coup, normalement, là, si je fais ça, je baisse le son. Et là, on n'entend plus la musique. Elle revient, là. Elle sature, là. Ouais, c'est très, très propre. En plus, ça marche super bien. C'est très, très fluide, quoi. T'as pas des à-coups, des trucs comme ça. C'est super cool. Je fais plus de son à cause de toi, mes oreilles. Désolé, désolé. J'ai peut-être un petit peu trop monté le fader. Je me suis pas rendu compte. Mais ça me l'a fait moi aussi. Hein. J'ai la même chose dans mes oreilles. Pour le coup, on est semblables maintenant. J'entends ce que vous entendez, à part ma voix. Mais du coup, c'est plus agréable. Si j'en devais entendre ma voix, je ne pourrais plus parler, je crois. Allez, Brigitte, mets le jeu. Brigitte, mets le jeu. Parce que j'étais peut-être pas assez autoritaire, je pense. Elle aime bien l'autorité, Brigitte. Du coup, faut que je mette le jeu, évidemment. J'ai pas mis la scène. Voilà. Appuyez sur Start pour entrer. Attends, je vais le faire au clavier. Ah, j'ai pas éteint la musique. Hop. Voilà. Et on reprend avec l'épisode 4. Continuer l'histoire, carrément. Et la coupure, c'est parce que j'ai changé de. Si tu veux, j'ai switché. Je suis passé de l'écran du jeu à l'écran OBS. Enfin, à l'écran, à la fenêtre. Hein. J'ai juste changé de fenêtre. Et le fait de changer de fenêtre, en fait, sur certains jeux, il continue. Genre, Sea of Thieves, lui, c'est pas de souci, il continue à fonctionner. Et t'as d'autres jeux qui se bloque, qui se coupe complètement. Celui-là se coupe. D'où la coupure. C'est pas un problème audio du tout. Tout va bien, la technique est bonne.
En parlant de technique, on va avoir le jeudi, je crois que tu bosses avec nous. Le mercredi, je sais plus. Je crois que c'est jeudi. Gros gros plan. Il va d'avoir dans tous les sens. Tu m'as fait sortir et maintenant faut que j'y retourne. Merci bien. Tous les erroristes comptent sur toi. Ouais, au stade, ouais. Tu dois entrer dans ces serveurs et libérer leur mémoire. Libère ta mémoire. Que la lutte reprenne là où elle avait été interrompue. Bah tu vas voir, ça va être un plan bien. Des drones. Il a pas de reconnaissance. Ah. Mais qu'est-ce que... Mais si on me prévient pas qu'il faut des pas drones. Se faire. Il a pas de reconnaissance. Continue à me suivre. Non. Oh. Il me lâche pas ce con. Attends, mais c'est pas le même que tout à l'heure. Oh, ça doit pas être le même. Ok. Là. Il suffit de suivre ce mouvement et c'est s'il y recommence à l'infini, donc ça va pas bien. Il en passe. Appuyez sur CB. Est-ce que... Non, le jeu il a planté? Sérieux? Ou c'est juste la fenêtre? Ah non. Ça me l'a fait aussi, c'est la dernière fois. En train de jouer, puis du coup le jeu qui se réduit. Si, c'est pas bon. Ah merde. EA Games. Mais c'est pas EA Games en plus, il c'est Capcom. Mais ça devait être la mauvaise période de Capcom. Hein. Je reviens récupérer ce machin. Et là, il doit y avoir un passage quelque part que j'ai pas vu. Forcément. Ah, mais c'est là. Ouh la turbine, vas-y. Ah putain, je sais plus comment jouer. L'esquive, c'est quoi l'esquive? C'est là? Ouais, c'est ça. Pas tirer sur les fous. Ouais, je sais, ouais, je dis pas. Ah putain, il faut que je fasse les combos. Putain, je sais plus comment c'est. Alors, attends, il y a les combos pour régénérer un petit peu. Y, X, Y, X, Y. Ok. Bon, il sera le battre. Oh mes dieux! Cellule familière! Aïe mon Ken. Mais j'ai commencé trop tard, j'ai très très mal commencé. Pourquoi ça marche pas?
Ça pisse. Pourquoi il appuie pas? Ah non, mais c'est parce qu'il faut appuyer avec le bouton là. Attends. Et là, je vais faire. C'est pourri. Perdu le coup de main quoi. C'est la dernière fois, c'était quasiment du perfect quoi, jamais il me touchait. Après ils sont beaucoup là dans un petit espace aussi. Hein. On les voit plus là. Je crois qu'avec ça. Ouais, ça marche. En fait, la turbine c'est pour la lumière, parce qu'il y en a certains qui sont invisibles. Enfin, je sais pas si... Ouais, on va dire invisible. Et la turbine ça c'est top, ça permet de les activer et de les éclairer. Essayer. Quand même, hein. Ah, j'ai dû perdre un peu la main, je pense aussi. Un drone détruit par des leapers.
ça a dû chauffer. Moi, j'aurais aucune chance si je croise une de ces machines. Bien vu. Vérifie si tu peux récupérer le module de détection de ce drone déglingué. Peut-on le récupérer ? Détection de drone, ok, cool. Quelle aubaine. Ton Sensen peut désormais intégrer et afficher les capteurs des drones que tu croiseras. Très utile. Mon Sensen ! Moi j'aime bien les bonus. Avantage de la cellule. Et je vais où là? La porte là-bas peut-être. Et c'est fermé. Avantage de la cellule. Alors par là. Là c'est la Bastille. La prison à visage humain. Quelle foutaise. Des machines aveugles au service d'une administration robotisée. Oh, cette odeur. Ce bruit, il me colle à la peau. Pour t'infiltrer dans la prison, tu vas devoir intercepter une cellule vide et t'en servir comme d'un ascenseur. Intercepter une cellule vide et non, est-ce que c'est les trucs qui se déplacent? Est-ce que c'est ça, les cellules, ça? De la cellule. Je crois que c'est une cellule, ouais. Ok, bah let's go, on va dans la cellule. On va passer incognito dans la Bastille. Ah, j'ai été désinfecté, je crois. Désinfection de la cellule. Cette cellule me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qu'elle te rappelle ici? Oh. Je me rappelle cet endroit. Son désespoir. Je souviens. L'impression de ne jamais en sortir. Plus ils te font descendre, plus ils t'épluchent. Ils retirent les souvenirs, comme on ôtait autrefois aux prisonniers leur ceinture et leurs lacets. Jusqu'où m'avait-il fait descendre? Reste cool, Frangine. Ce coup-ci, tu ne fais que passer. En fait, dans cette prison, comme il l'a dit, je sais pas si tu as compris, mais hop, attends, je vais essayer un peu le son du jeu. Dans cette prison, il t'enlève les souvenirs, en fait. Il t'efface ton cerveau. Mais elle y était. Mais elle, c'est une chasseuse de souvenirs, en fait. Mon rôle est un peu spécifique, mais... Elle a la capacité de d'effacer les souvenirs des gens, ou de modifier même les souvenirs des gens. Et a priori, elle a dû faire quelque chose qui a fait qu'on a voulu lui effacer le cerveau. Étonnant, étant donné qu'aucune ligne n'est exploitée dans ce quartier depuis presque 50 ans. Encore un sabotage de Edge et de sa petite copine. La salle technique. Ouais, c'est pour ça que là, elle a zéro souvenir. Après, petit. Enfin, elle a pas zéro souvenir, en fait. Parce que quand elle lui a fait effacer la tête. La mémoire, elle, c'est-à-dire pas tout effacé. Elle, comme elle avait sûrement des capacités, elle a réussi à résister au truc et elle a pu s'échapper. Comme Total Recall. Tu connais Total Recall? Sérieux, Max? D'ailleurs, bonjour. Mais c'est vieux ça, Total Recall. Mais ouais, on pourrait comparer à Total Recall un peu. Le tableau de service pour connaître les
va tenter en bas. Le sergent Fischer n'a pas été parfaitement en cours. Bienvenue à la Bastille. Bonsoir, bonsoir, j'oublie les amabilités. Va bien, Max. Ah, sergent Vaughan, autant j'apprécie vos compétences, autant j'exige des spécimens d'une qualité minimale. J'ai besoin de candidats en bonne santé, pas de victimes traumatiques. Ouais, ouais, c'est ça. Collez-moi un rapport. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Swed sont attendus à l'interrogatoire. Eh bien, je rapporterai votre manque de sérieux à madame. Nous verrons bien ce qu'elle en pense. Sandek, j'ai tellement trop peur, connard. C'est un pseudo Iron Man. Ouais, ça va bien, tranquillement aussi. Ce sergent Vaughan. Mauvaise vibe. Le pire, il sait comment exploiter le système de sécurité à son avantage. Il en connaît les pièges. Suis-le et dérobe ses secrets. C'est le seul moyen de t'approcher de madame. Ouais, c'est un pseudo Iron Man. Salut les filles, c'est l'heure de la fouille. Comment ça, salut les filles, c'est l'heure de la fouille? C'est le vestiaire des dames? Ah bah ouais. Ah non, réservé au personnel de la prison, donc non. Ah, c'est ses copines les filles. C'est elle. Ah, ils m'ont vu. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être la bataille? Voulez-vous battre? Moi j'utilise mon super Sensei Fury. Attends, j'en ai un autre de cool à faire. Je connais ce film parce que je voyage dans le temps. Mais tu es incroyable, Max. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? XYY. Ça, c'est bien ça. J'ai pas eu le temps de finir mon combo, tu es mort avant. Faible d'esprit. Trop cool, c'est quoi les numéros Euromillion s'il te plaît? C'est du même genre que Spider-Man sur PS4, tu parles du style de combat? Alors non, c'est totalement... Alors, je sais pas si on peut dire que c'est totalement différent. Je t'avoue que le Spider-Man PS4, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est pas aussi technique. En fait, là, si tu veux, il y a des combos que tu vas créer toi-même. Bon, le combo de base, il a une forme classique. Non, mais pas, je crois que tu peux mettre ce que tu veux. Je sais plus si tu peux changer les lettres. Mais en tout cas, chaque combo, tu vois, tu peux... À droite, là, j'ai les pré-scènes. Les pré-scènes, c'est un petit peu les pouvoirs liés au combo. Et par exemple, si je prends une lettre qui est dans le pré-scène de la croix, donc qui correspond à la régénération, et que je l'inclus dans mon combo... ça va faire qu'à chaque fois que je vais donner un coup qui correspond à cette touche-là, je vais avoir de la régénération. Les pré-scènes correspondant aux dégâts, ça va taper plus fort, etc., etc. Et plus le coup, la touche, elle est loin dans le combo, plus elle est efficace. D'où l'intérêt de pouvoir faire les combos en entier. Et donc du coup, c'est cette technique dans les combos, quoi. Et c'est rigolo, ça. D'ailleurs, il y a un preset que j'ai jamais utilisé, je sais pas ce que c'est ça. Preset de chaîne. Hérite l'effet du preset qui le précède et le multiplie. Ah, mais c'est bien ça. Du coup, je vais mettre un Y là. Comme ça, je vais avoir encore plus de force à ce niveau-là. Et je peux mettre un X aussi. Ouais, non, là, c'est bon, je ne vais pas. Non, au début, ça paraît compliqué parce que là, tu arrives en cours de route où j'ai déjà beaucoup de pré-scènes. À la base, j'en avais qu'un. J'avais que les coups.
les dégâts, après scène de dégâts. À la base, j'avais que ça. Comme là, il y en a un peu plus, c'est un peu plus compliqué. Mais alors, en fait, du coup, ça fait pas une multitude de combos. Je sais pas si je peux inverser les touches. Genre, quand dans mes combos, il y a un X, là, est-ce que je peux mettre un Y à la place? Je sais pas. Ou si je suis obligé de mettre un X. Ça, c'est une bonne question. Bah, attends, juste, on va tester. Ça, j'aurai la réponse à ma question. Non, a priori, je crois que je peux mettre qu'un X. Ouais, non, je peux mettre que les combos restent les mêmes. Les touches à enchaîner restent les mêmes, mais les pouvoirs par rapport aux combos peuvent être modifiés. Et puis, il y a aussi des pouvoirs un petit peu supplémentaires, genre le lié à mes facultés, genre le Set Sendos. Hop, et là, le mec, il est sonné, quoi. Et là, j'en profite pour faire mes combos. Là, notamment un combo de régène parce que là, ça pique sévère. Et puis, bien sûr, t'as l'esquive, quoi. Et quand tu esquives pendant un combo, si tu t'y reprends bien, tu peux continuer ton combo après ton esquive. Ah, il y a les renforts qui arrivent. Non, au niveau des combos, c'est très très bien fait. Et c'est excellent. Oh, la mauvaise touche. Ah, c'était pas la bonne. Chopez-moi, osez. Hop, et inverse. Attendez, je vais vous faire un sensei là, cette furie. Et là, je suis en furie. Là, j'enchaîne. Mais c'est très rapide comme ça. Après, je comprends, c'est vraiment cheaté. Quoi. Tu l'as vraiment fort et tu fais vraiment des dégâts. Ah, après, ils sont pas forcément super intelligents, ouais. Ça, je suis d'accord. Mais c'est parce que je suis super souple aussi. Ah, dommage. J'avais une espèce de coup final. Mais je n'ai pas eu le temps de l'utiliser. J'étais trop dans mon truc. Mais je devais voler les souvenirs d'un gars là. Il est parti en fait. Ou il est mort et du coup il a plus de souvenirs en fait. Ah non, c'est lui. Il est là. Le sergent Vaughan. Pour tout ce que tu m'as fait. Et ça, c'est pour tout ce dont je ne me souviens plus. Bien joué, Frangine. Elle y a tu possèdes les clés du royaume. La Bastille est à toi. La Bastille est à moi. Oui. C'est la prise de la Bastille. Alors, est-ce qu'elle fait le bien avec ses pouvoirs? Écoute, là pour le moment on va pas dire qu'elle fait ni le bien ni le mal, on va dire qu'elle fait il faut pour se souvenir. C'est bien. Elle essaie de se souvenir parce que les gens qui sont dans cette prison là où je suis, où j'étais au début, m'ont effacé mes souvenirs. Une partie, une grosse partie. Ici surveillant 1242.
Interception en cours. Et vu comme il me maltraite, à mon avis, c'est quand même le pire ce qu'on fait. Le Junk Bolt brise les boucliers des enforceurs lourds. Appuie sur LB et ciblé avec RT pour tirer. Ah, et bien alors, on n'a plus de bouclier là, hein. Ah, je peux faire un overlord. Ah oui. Hop là. Surcharge mémorielle. Je sais pas si... Je crois qu'il lui met trop de souvenirs dans la tête. Elle a la capacité de modifier les souvenirs des gens. Alors, la Bastille. On a quoi là? Salle d'entraînement des enforceurs. Et là, on a... Salle des uniformes. Je pop vite fait pour partager l'info potentielle, l'annonce du... Ouais, c'est parce qu'il a dit sur Twitter, Zerator a dit « Je sais pas ce que vous faites jeudi à 20h, mais j'espère que vous faites rien. » Ça serait dommage. Voilà, donc jeudi 20h, sûrement l'annonce du ZD 2021. Peut-être que c'était mauvaise personne. Oui, oui, parce qu'il y a peut-être une raison au fait qu'on lui ait passé les souvenirs. Tiens, je trouve des trucs que j'ai jamais trouvé avant. Du coup, j'imagine que il y en a plein que j'ai loupé. Et il y a plein de robots en plus, tu vois. Des robots ménagers, par exemple. Ils volent notre travail. Oh! Mais ça a pas cassé le bouclier là! Ah, c'est parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors les Iron Man là, je suis Captain America. Et voilà, putain il y en a encore. Oh mais attends, mais c'est un nouveau pouvoir ça, bombe logique. Un virus Sensen explosif qui détruit les boucliers des enforceurs et inflige des dégâts lourds à toutes les cibles autour. Oh, c'est bon ça. Allez, bombe logique. Oh. Effectuez maintenant une esquive en arrière afin de sortir de la zone de dégâts. Oh, ah, j'aime bien ça. Et lui il est en surcharge. Hop là. Boum. Je peux plus le faire. Par contre, je peux refaire mon Sensen Fury. Techniquement, elle tue personne puisqu'elle a besoin de prendre leur mémoire. Alors, le truc, c'est qu'elle quand tue... Quand j'aurai récupéré mes souvenirs, je peux faire l'impasse sur Vaughan. Je me passe volontiers des fumiers de son genre. Ton passé ne peut plus te blesser, Frangine. Les gens qui sont par terre, là, à mon avis, ils sont peut-être pas juste blessés, hein.
pense qu'il y en a certains qu'elle va juste blesser pour leur voler les souvenirs, ou alors elle peut les voler en scred aussi, hein, elle n'est pas obligée de les attaquer. Mais Ouais, c'est oui. D'un côté, on peut dire qu'elle est... Il faut pas que... Si elle doit prendre la mémoire à quelqu'un, il faut pas qu'elle le tue, quoi. Mais elle peut aussi leur voler sans... en étant discrète. En revanche, ceux qui sont pas intéressants... Secteur 3, vérification des permissions. Secteur 2. Il y a encore du monde là. Ah, est-ce qu'elle est intéressante la dame? Elle sait des choses. Madame, il y a eu une intrusion dans les vestiaires des gardes. Développez, je vous prie. Le sergent Vaughan a été agressé. Effacement mémoriel total. Et moi cet intrus et vite. Ah non, elle n'a pas tué. Patrouille. J'active le brain drainer. La seule personne habilitée à jouer avec les mémoires ici, c'est moi. Bah alors madame, vous jouez avec les mémoires? Et on n'est pas contente qu'il y ait quelqu'un d'autre qui joue avec les mémoires? Qu'est-ce que c'est cet appareil? C'est un effaceur de mémoire à la chaîne? Ah ben ouais. Oh. Ah ouais. Oula, bah, à mon avis, faut pas que je passe dans le rayon. Si je ne bouge pas, le grand œil. Reste dans la pénombre, Lynn. Le grand œil qui m'appelle. Ouais, ça c'est une boss. Ouais. C'est d'ailleurs peut-être la boss de la société également. Double rôle le boss. Juste un bouton à presser. Et hop, la cellule est envoyée en ambulance. Parfait pour se piquer en vitro. Juste un bouton à presser. Et hop, la cellule est envoyée en ambulance. Parfait pour se piquer en roupillon en loose day. Je crois que c'est le. Voilà, c'est ça, je vais tirer la chasse. Cellule endommagée. Renvoie immédiat en zone de maintenance. Cellule endommagée. Renvoie cellule endommagée. En zone de maintenance. Je sens un petit peu la coupe des années 2000 quand même. Hein. Rappel d'agenda. Madame et le docteur Qued sont attendus en salle d'interrogatoire. Tu as entendu? Les salles d'interrogatoire ne sont pas loin. Vas-y. Eh ben, bon, salles d'interrogatoire, si elles sont pas loin. En revanche, moi, je sais pas où elles sont. Bon, on va suivre le chemin, parce qu'a priori, c'est un couloir. Le jeu est un couloir, c'est facile. Oh, 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 oh! Quel est ce type de robot? Il est copain ou pas? J'ai des doutes. Il n'est pas copain. Un semi de Terminator. Hop, tout ça, c'est un Iron Man sans cerveau. Hop, effacé, y'a plus de mémoire. Comment je te touche, toi? Comme ça. Quoi? Ah, mais t'as un bouclier que j'ai cassé à moitié, là, non? Ah, on est passé au rouge. Coucou, Alex, comment ça va? Ah, cassé, le robot. Il est où, le robot? Ah,
je ne vois plus ta tête. Il va bien le Alex. Ça va, bah être tranquille toi. Je recuse toi Alex. Le boum, la lumière rouge. Ah, la lumière rouge. Attendez, j'ai... peux utiliser une bombe logique. Il y a deux robots maintenant. Et oui, ça tire de deux côtés différents. Il faut me malmener là, hein, messieurs. Oh! À côté de vous, j'ai pas une grosse combinaison comme ça. Mais j'ai pas deux putains de robots. On est bien. Ah, c'est pour faire baisser à Babako. Si je représente le colonel. C'est vrai que tu préfères le rouge, Max. Allez, un autre cassé. Ok, plus que toi. Tu m'enchaînes, hein. Tu m'enchaînes, hein? Et moi je recharge, moi. Et voilà, mon gars. C'est comme ça qu'on fait. Le rouge brûle les yeux, souris. Mais. Ça, même à travers la. Le jeu, ça te brûle les yeux, Mamako? Ok. La salle d'interrogatoire. À travers le jeu, sur le live, quoi? Ouais, d'accord. Après, ça fait qu'une petite fenêtre, le rouge, sur l'écran. Bon, tant pis. Salle d'interrogatoire numéro 3. Oh, bah, si j'ai pas le droit de rentrer, ouais, ok. Ouais, bah, a priori, c'est là qu'il faut que j'aille. Bonjour. On se connaît? Non. C'est pas vous que je dois voir, c'est ça? Et la rose, ouais, la rose, elle te fait mal aux yeux, Mamako? Aussi? Il y a quelqu'un qui se fait taper là, non? Vous êtes tellement naïfs, vous autres chasseurs de souvenirs, avec vos petits chapardages. Et Tenchas, j'ai du mal. Dieu trop sensible. Oh. Le rôle, ça passe, non? Attends, on essaye. Bah, ça va, non? Petite fouine, je vais te faire découvrir les vraies possibilités des jeux mémoriels. Ça fait comme les vitrines. Mais je vais pas me mettre à danser, hein. Quand j'en aurai terminé avec toi, tu croiras m'avoir toujours désiré. Non, jamais. Silence. Ah, mais c'est le copain, ça. Tu offriras de donner ta vie pour moi. Faut sauver le copain. Miroir sans teint, vous ne pouvez être... C'est le moment. Pique-lui le chemin d'accès vers les serveurs de la prison. À ton âge, moi aussi,
Ah, je peux se voler le souvenir à travers la lumière. C'est incroyable. On peut faire ça. Bad request. Pourquoi vous autres prenez toujours des surnoms aussi ringards? Incroyable. Mon dieu, Edge. C'était Bad Request. Ils l'ont eu. Te laisse pas distraire. Il sera libéré avec les autres. Suis les rémanescences de madame jusqu'au serveur mémoriel. Oh, on va suivre le serveur mémoriel. Réservé à la direction, moi j'aime bien. Comme la direction. Oh, mais attends, mais... Nul ici, en fait. Si, il y a un truc. Edge ? C'est bon, je suis sur place. Allons-y. T'es la meilleure. Là, c'est Paris projet. Dans quelques années. Ok, tu ne dois pas être très loin de l'accès à la tour panoptique centrale. Là où sont cachés les serveurs de confinement mémoriel. Utilise le souvenir volé sur madame pour trouver le bon chemin d'accès. De madame. Elle s'appelle comme ça, c'est madame. Ah bah quoi, elle regarde par en dessous pour voir des cakes, comment ça? J'ai que la main vérifiée. Ah non, mais y a trop de monde là. Je me dis pas ma petite. Je ne suis pas ta petite. Allez, tiens le robot. Qu'est-ce qu'elle fait si quelqu'un a Alzheimer? Le prélèvement doit être compliqué des souvenirs. Ben je sais pas. Parce que peut-être qu'elle arrive à aller jusqu'au subconscient. Et à récupérer des choses que... Nouveau pouvoir. Transforme les unités robotiques en alliés qui attaqueront les unités au sol avant de s'autodétruire. Mais c'est incroyable. Seuls les robots peuvent être ciblés. Et ben let's go. C'est pas le meilleur des pouvoirs, ça. Contrôle les robots ennemis pour qu'ils attaquent les ennemis et après qu'ils s'autodétruisent. Très bien. Je préfère regarder les poils du chat. Regarder le chat, c'est bien aussi. Je t'ai eu. Hop, fini le robot. Allez, donnez-moi des vrais adversaires là. Chaud. Oh non, non, c'est pas sur lui que je voulais utiliser le pouvoir. Non, c'est du gaspillage ça. Un au moins. C'est pas ta petite, mon gars. Ils sont bien violents avec moi. Elle
Avec des cailles, on m'a touché tout le temps, elle est si mignonne. C'est vrai qu'elle est bien. Elle est plus que mignonne, elle est bien. Je finisse le robot là-haut, là. Voilà. Là, ça, on va le coup. Et ensuite, on va se faire un truc du genre. La petite bombe. Hop, on lui pile la tête. Voilà, mon gars, tu sais plus pitié maintenant. Tu sais même plus marcher. Là. Les cailliards ont des surfaces, je suis pas ta petite. C'était qui m'avait appelé comme ça la dernière fois? Putain, c'était sûr. Sur un live, il y en a un. Il avait dit que c'était. Faisait en sorte que je sois édifié pour lui. C'était bizarre. Miline a eu une aide extérieure. Vous allez m'isoler la Bastille du réseau. C'est fait. Depuis 10 minutes. Plus jamais ça, Sergent Vaughan. C'est la faute. Et là, je suis dans les souvenirs de madame que j'ai volé tout à l'heure. Qu'il veut dans ses laboratoires. Laissez le docteur Quaid hors de ça. C'est toute The la Bastille. Fufu. Non, c'était pas The Fufu. Je connaissais pas. C'était quelqu'un. Bien, madame. Et trouvez-moi les coordonnées d'Olga Sedova. J'ai un travail pour elle. Je sais plus à quoi je jouais, je crois que c'était sur Zelda. Et en fait, il répétait tout ce que je disais. Et il m'appelait madame. Il me disait la madame. Elle est belle, la madame, il disait. C'était marrant. Quoi? Attends, mais. Elle part des deux côtés. Ah, faut que je fasse les deux côtés, ok. Donc j'ai les deux moments de synchroniser. Et là, ça doit être bon. La seule habilité à jouer avec les mémoires ici, c'est moi. Moi, je joue aussi avec les mémoires. C'est mon métier. Et là, elle va dans l'administration et qu'est-ce qui leur arrive à tous ces gens? Quoi? Il y a des souvenirs qui m'attaquent? Je sais pas, ça existe pas, ça, normalement. Ouais, c'est ça, c'est quand je cherchais les Korugu, ouais. Exactement. C'est pas leur nom, comment ça? C'est les Korugu, ouais. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Oh. Eh ben, allez hop, t'as plus de bouclier. Tu vas faire quoi maintenant? Ok, tu vas faire ça. Je vais demander à ton pote qui a un bouclier de t'attaquer. T'es faible. T'es faible.
quelle ça. Une rémanescence se révèle hostile. Edge. Ouais, c'est des sortes d'hologrammes en fait. Edge ne peut rien pour toi, ma petite. Ah, putain, elle a pris contrôle. La partie est lancée. Parce qu'en fait, tu vois, il y a une espèce d'appareil. On voit le truc rond en fait derrière nos têtes là. En fait, c'est un appareil qui est, je sais pas s'il est physiquement à l'intérieur de nous ou si c'est extérieur. Ça s'appelle un Sensen. Et c'est ça qui nous permet d'avoir les souvenirs. Et en fait, les souvenirs dans cette époque-là, lointaine, tu peux acheter des souvenirs. Si tu veux. Il y a des magasins de souvenirs. Tu peux acheter un souvenir, par exemple, souvenir agréable. Tu peux acheter un truc comme ça. Hop, tu te l'incorpores et tu ressens le souvenir, tu vois. Grâce à cet appareil Sensen. Et là, je pense que la madame, qui a des difficultés un peu hors du commun également, a dû réussir à prendre un petit peu le contrôle de mon Sensen et me fait voir des choses que je n'ai pas envie de voir. Et c'est à mon tour de jouer. Elle joue avec mon Sensen, là. Et elle m'invite à jouer avec elle, je crois. C'est ça, c'est des magasins de souvenirs. Niline, mon indompté, tu es revenu me voir. Je suis flattée. Tu sembles agacée. Ma chérie, cessons ces jeux stupides. Monte, je t'attends. Elle m'attend. Mais c'est gentil, ça. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Nili, est-ce que je t'ai manqué? Pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est drôle que ça s'appelle madame. Je savais parce qu'elle est respectée. Je veux récupérer ma mémoire. Tout est là. Il suffit de chercher. Vos petits jeux ne me font pas peur, madame. Ça viendra, ma petite. Ça viendra. Quoi ? Le nombre de scaramèches récupérés était affiché. Mon PC est beaucoup trop puissant. J'ai pas le temps de lire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Ça, c'est pas naturel, ça. Oula, je pensais qu'il y avait une vitre, mais non, non, il n'y a pas de vitre. Faut sauter. Mais c'est quand même dangereux, hein, c'est pas... Ah, trauma. Mémoire. Non. Mais, j'étais en train de tomber. J'ai un nouveau jeu. Un jeu spécial, rien que pour toi. Que dirais-tu d'un cours particulier? Des combats contre madame, là, c'est ça? Idiote! Je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit si tu vas te coucher, Max. Et en tout cas, merci d'être passé, c'était cool. Et ben, repose-toi bien et à bientôt. Obéis ! Et ben alors, madame ? Est-ce qu'on manie aussi bien les pieds que la baguette ? Jouons à autre chose. Ah, ça te plaît pas quand tu perds. Ça m'étonne même pas en fait. Je ne vais pas me laisser faire. N'arrive pas à la choper. N'est-ce pas? Ouais, tu bouges beaucoup trop, madame.
pas où taper moi. Je sais pas sur les faux monsieur qui arrive pas à réapparaître du coup. Je ne suis pas si facile. Ouais. Pas choper madame. Par contre, ce qu'on peut tenter, c'est. Soit vite ça. Ça ne marche pas. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. C'est pas ton envie de vénération. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas me laisser. Ah, la limite peut-être. Attends. Ah, voilà. Tu ne peux pas me vaincre. Mais enfin, pour le moment, j'ai quand même le dessus. Hein. Cours, ma belle. Cours. Ouais, mais là, ça devient dangereux, par contre. Hein. Dangereux ce que vous faites, madame. Chose en fait. Là je peux pas en fait utiliser. Sois la bienvenue. Tu m'as manqué. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Enlever grand chose en termes de vie en fait. Je sais que j'avais à faire un peu plus de dégâts que ça. Donc, je ne suis pas si facile. Putain, faut que j'attende encore 99 secondes là. Je ne vais pas me laisser faire. Ça servira pas, la bombe ça a pas marché et ça il n'y a pas de robot autour donc ça servira pas, il n'y a que la roue, il y a que ça en fait, mais pour le moment je peux pas l'utiliser. Sois la bienvenue, t'es maman. Ah, j'ai un nouveau combo possible. Il faut un Y. Débloquer ici. Ensuite, il me faut encore un Y. Ok, un X. Je récupère en bas. Encore un X. Encore un X. Et là, je peux plus rien faire. Mais du coup, j'ai 3Y, 3X. On peut pas faire ça. Ça te déroute, n'est-ce pas?
Ah, c'est bon, je l'ai. Hop. Compris pour est-ce que je peux pas non le temps c'est le temps quoi pas je ne suis pas si facile. Ah si, voilà, là je gagne sur le temps. Ok. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Là, j'ai le truc là. On charge beaucoup plus vite. Même. Sa vie elle descend, mais tellement pas vite, c'est incroyable. Ne résiste pas à ton envie de me vénérer. Ça devait être fini là. Au moins la première partie. Donc un petit. Je ne vais pas me laisser faire. Mais attends, si les autres ils commencent à me tirer dessus aussi, alors non. Ça va être plus compliqué. Ok, je crois qu'on a passé la première partie. C'est un combat direct maintenant. Ta
Car résistant, t'as ma chérie. Tu es à moi. À moi. Tous se soumettent à madame. Tu n'as rien appris durant ton absence. Tu ne peux pas me forcer à me trahir. Comment oses-tu? Aime. Il y a une technique qui apparaît. Obéis. Ta résistance excite ma chérie. Allez, 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 elle est là-haut. Hop. Ça. Ensuite, le boss. Elle est là. Ah non, c'est pas le bon bouton. Putain, c'est vrai qu'on est sur Xbox, c'est pas le bon bouton. Vénère-moi. Jamais. Putain, c'est trop plus, merde. Ah, ouais, c'est bien, je l'ai trouvé. D'être un... Enfin, ça a l'air d'être créé toute pièce cet endroit. Enfin, c'est dans notre tête, quoi. Ah, d'accord, j'ai battu son esprit. Maintenant. Ah, on va la surcharger. Oh, la limite, en fait. Je sais pas si c'est une limite. Juste, je leur file des souvenirs, en fait. L'école est finie, maîtresse. Ouf. La force spammer permet de déplacer à distance des appareils en surchargeant leur système de contrôle
et en maintenant les routes dans leur routine un flux constant de données corrompues. Madame est tombée. Utilise son force spammer pour ouvrir les serveurs de confinement mémoriel. J'ouvre, hein. Données corrompues, voilà. C'est jamais bon, les données corrompues. Verrouiller le serveur et utiliser horizontalement pour le déplacer vers la station de décryptage avec le force spammer. Vous pouvez déplacer... Alors attends. Le force spammer, c'est ça. Ok. On va décrypter une chose. Dans ce serveur de décryptage conçu à cet effet. Hop, c'est décrypté là, c'est ça? Maintenant faut ramener là-bas. Oups. Ça c'est du ça c'est de l'ingénierie réseau, ça marche comme ça. Bon après j'avais fait ça dans mes études et... Là c'est juste de la base de données en fait. C'est comme ça dans mon taf. Sauvegarde de la mémoire du TT. Déverrouillage global des serveurs de confinement mémoriel. Restauration des espaces de stockage originaux. Tu l'as fait. Tous nos compagnons retrouvent leurs souvenirs. La révolution terroriste est en marche. Incroyable. Cellule après cellule, les souvenirs reviennent à ceux à qui ils avaient été volés. Renaissance. Après l'hésitation, vient la colère, qui combine leur liberté retrouvée à un irrépressible besoin d'action. Enfin, s'éveillent les convictions longtemps étouffées, rendues plus fortes par leur captivité. Une humanité reforgée par les privations. Rien n'arrêtera plus nos compagnons. Ça fait mieux. Où sont mes souvenirs? La prise de la Bastille. Rien. Ah. T'inquiète pas. S'il y a bien une chose qui fonctionne ici, c'est l'archivage. Ton tour ne va pas tarder. Ah! Ah mais voilà mes souvenirs. Oh là là, il y en avait beaucoup. Edge, Edge, cette sauvegarde est partielle. Il en manque. Je peux les sentir. Il y a des angles morts. Ce n'est pas ma mémoire complète. Quelque chose déconne. La sauvegarde peut être transférée ta mémoire ailleurs. Mon crime. Je m'en souviens. Je l'ai tué. Tu es qui? Ça fait mal de se souvenir. Hein. Ah, c'est violent. Hein. Archiblog. Monsieur, il est resté pour la cérémonie au tribunal va commencer. Nous passons. Je sais, je sais. Laissez-moi une minute. Appel vers Alexia. L'appel n'aboutit pas. Oh. Veuillez laisser un message. Alexia, message. Putain, appelle-moi. Tout Paris va assister à ma cérémonie d'investiture. Tu ne peux pas me laisser tomber. J'ai besoin de toi. Message enregistré. Pute égoïste. Ah, calme. Pute égoïste. Donc là, je crois qu'on est dans ses souvenirs à elle. Enfin, c'est sûr. Elle se souvient de certaines choses. Du coup, j'ai tué qui, en fait? Mémoire de Forlorn, il y a 4 jours. Ah, je vais peut-être modifier sa mémoire. Parce qu'elle a cette capacité-là de modifier la mémoire des gens. Et je l'ai fait une fois. Et peut-être que je vais le refaire, là. Ça ressemblait un peu à ça. Mais là, ça ne fait pas. Égoïste. Quoique... J'ai tout donné sans rien demander, Franck. Tu as eu mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence.
Parce que je serai pas à ton bras sur la photo. Réveille-toi, Frank. Je ne supporte plus cette mascarade. Alex, si tu franchis cette porte... Va te faire foutre, Frank. Alex. Ah, la petite valise qui te suit toute seule. Ça, c'est fort, ça. Faire en sorte que Forlan tue Alexia. Oh non. Pourquoi? Bon. À quel moment? Là. Ton bras sur la photo. Réveille-toi, Franck. La petite table. La cigarette. Faire tomber. Non, ça, ça va pas la tuer. Enfin, la cigarette, ça va prendre quelques années quand même. En revanche, l'appareil sur la table qui est juste là. Je cherche pas. On enlève la sécurité. Ok. Ah oui, non, attends, il faut que je remonte bien avant. Alors. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Il lâche le verre. Ouais, là. La bouteille. On a la bouteille et qu'on peut renverser. Le trophée qu'on peut renverser. Tiens, on va renverser le trophée. Juste par, par plaisir. Et peut-être tu tombes sur la tête. Oh non, ça tombe à côté. Ah, il y a quelque chose là. La valise. GPS de la valise, on va le corrompre. Le revolver, on va enlever la sécurité. Ah, je vais pas le choper. Ça, c'est pas, ça marche pas super bien par contre. Okay. Et on va pousser la petite table. Et elle est pas morte. Mmh. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? De toute façon, le revolver, il le prend pas avant, donc... Et la sécurité ou pas... Le trophée, ça a absolument rien fait. Jeter la bouteille à la limite, on va voir. Je sais pas ce que ça peut engendrer le fait que la bouteille soit par terre. La valise, au moins, s'arrête de la suivre. Pas choper la valise. Voilà. Mes meilleures années. Connerie, tu bousilles ma carrière avant qu'elle commence. Il y a des projets parce qu'il y a forcément qui va. Ah, parce qu'il va pas pouvoir choper la bouteille là, parce qu'il lui jette la bouteille dessus normalement. Et là, il peut pas lui jeter la bouteille dessus. Il est vénère. Ah, j'arrive pas à choper la cigarette, putain. Voilà, comme ça. Alex. Ah, ça va prendre feu si avec l'alcool. Cette porte. Oh. Ah merde, je crois que c'est pas le bon keyboard. Oh non, sérieux, il est mort comme ça? Franchis cette porte. Ah, c'est très con comme mort. Mais du coup, je pense que la cigarette, elle a pas eu un
gros effet. Pas à ton bras sur la photo. Réveille-toi, Frank. Alex, si tu franchis cette porte... Ok, donc si la bouteille est par terre, forcément il va marcher dessus, ce con. Bon, il faut annuler la bouteille. Ok, on regarde la bouteille sur la table. Là, je relève la sécurité. Je vais quand même jeter la cigarette par terre. Sur la photo, réveille-toi, Frank. Je ne supporte plus cette mascarade. Alex, si tu franchis cette porte... Va te faire foutre, Frank. Alex! Ah, ça change rien. Va te faire foutre, Frank! Y'a rien qui fait qu'il peut prendre le flingue? Je peux faire tomber la bouteille ou le truc. Ah, attends, si je fais tomber la bouteille mais que je déplace la table, peut-être que je vais esquiver la bouteille. Ça on le fait. La table là. Réveille-toi, Franck. Non, ça pousse pas dans Alex, le bon sens. Si tu franchis cette porte. Ah. Tu vas faire quoi? Me descendre? Tu ne tiens même pas debout. Ah. Sois sérieux, Frank. Tu n'enlèves même pas le cran de sécurité. Ah. Ah ben oui. Il a enlevé le cran de sécurité. Et voilà, c'est comme ça qu'on change des souvenirs de quelqu'un. Et là, du coup, le mec croit qu'elle est morte. Il croit même qu'il l'a tuée, en fait. Alors que... Que dit-il ? Ouais, Shimaga, comment ça va? Monsieur, nous arrivons pour vous escorter au tribunal. Nous ne pouvons plus attendre. Salaud! Vous me coffrez pas pour ça, c'était un accident! Je ne vous laisserai pas ce plaisir. Tu vas bien? Pardon, Alex. Je vais se mettre une balle. Pardonne-moi. J'ai changé tes LED, ouais. T'as tout passé en rouge. Je suis un hacker. T'es un hackerman. D'accord, Frank, tu as gagné, je... Frank! Ah, par contre, le cœur d'une mère est un abîme au fond duquel elle se trouve toujours un pardon. Honoré de Balzac. Petite phrase philosophique, c'est important. Au terme du raid sur la Bastille, je n'étais qu'abattement et déception. Certes, le règne de Madame est terminé. Mais mon passé m'a encore échappé. Toujours privée de mes souvenirs, j'étais obligée de suivre les consignes de Edge, mais sans conviction. Toujours plus de souvenirs. Et même souvenirs, si les atrocités de la prison m'ont convaincue du bien fondé du combat terroriste, le souvenir de mon crime ronge désormais mon esprit. J'avais poussé un homme au suicide. Qu'ai-je connu d'autre? Pire, Edge, lui, se réjouit de la victoire.
Nos compagnons libérés ont repris la lutte contre l'hérésie du Sensen à travers Neo Paris. Maintenant, il veut frapper Memorize au cœur en mettant un terme au projet reconversion. Son plan ? Viser la reine. Cilla Carty-Wells, présidente de Memorize. Je dois remixer sa vision du monde. Fausser son passé pour apaiser son cœur meurtri. Alors je m'interroge. Dois-je accepter d'échanger mon âme contre une victoire ? Est-ce qu'un crime peut en justifier un autre ? Mais c'est pas compliqué là, hein ? L'ancienne Nilin avait sûrement la réponse. Quant à moi, je n'en sais rien du tout. Je sais toujours pas si je suis un gentil ou un méchant en fait. Je doute. Quartier Saint-Michel. Accède au siège de Memorize. Trouve cette ordure de Cilla et mets un terme au projet reconversion. Brise la coquille de ses certitudes. Il faut éviter la création d'une armée de Leapers. Ouais, mais je suis en train de me dire qu'en fait j'étais peut-être du côté des méchants avant. Hein. Et maintenant en fait je pourrais peut-être passer du côté des gentils, je sais pas. Mais ça marche sur lui. A priori, oui. Oui, ça marche très très bien, même. Oh, moyen efficace de tuer. Qui a remis du goût. C'est pas que je m'en rends compte maintenant, hein, je l'ai vu avant. Mais... Obtenez-le maintenant, payez plus tard. Oh, ouais non. Dépêche-toi. C'est notre dernière chance de frapper Memorize à la tête. Une autre commission ? Je suis pas une sorte de valet obéissant, Edge. Et je ne suis pas ta conscience, Nilin. Tu es aussi libre que tout être humain. Ah, je suis libre. C'est bien ça. J'avais pas trop l'impression de ça, en fait. Plus l'impression qu'on m'obligeait à faire les choses. Que je me souviens plus. Bienvenue ici. Je connais cet endroit. Il a été saccagé. Les erroristes sèment le chaos à travers la ville. Profites-en pour monter jusqu'au bureau de Cilla. Je fais partie des erroristes, moi, ou...
Citoyen de Néo Paris, ne criez plus les Mais c'est la chute. Citoyen de Néo Paris, ne craignez plus les menaces. Grâce au projet Reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet Reconversion, parfaitement rare. Ouais, mais on voit pas si on sonne pas aussi. Citoyen de Néo Paris, ne craignez plus les menaces. Grâce au projet Reconversion, ils vivent désormais pour vous servir fidèlement. Déjà, les meilleurs d'entre eux ont été enrôlés au sein de la Force Sabre. Le projet c'est pour ça, en fait. Par Memorize, les robots, c'est pas des robots. Au péril barbare. Edge, juste une question. Comment tu m'as enrôlé chez les erroristes? Tommy dit que tu as débarqué un jour dans son bar, telle une âme à la dérive, dans une mer de regrets. Il a tout de suite su que tu allais être des nôtres. Mais qui peut se fier à sa mémoire de nos jours? Parfois, je me dis que tu es meilleur poète que révolutionnaire. Peut-être que je le suis dans un monde parallèle. Le projet Reconversion par Memorize, le poète dans un monde parallèle. La réponse humaine au péril barbare. Encore des drones. Toujours des drones. Allez, Nilin, tu peux y arriver. Là, vous êtes bien. Okay. Attends, parce que celui-là, il va aller un peu plus loin là. Et là, il n'a pas le droit d'escalader derrière les... Ok. Et là, on monte, on descend, on descend. La Force Sabre a verrouillé le quartier. Dévaster le quartier. Ces gens ont tout perdu. Et c'est notre œuvre. Le monde entier se noie, Frangine. Tu es la seule qui puisse nous lancer une bouée. Edge, tu me parles en énigme. Tu es mon scalpel, Nilin. Une arme contre une planète gorgée de tumeurs. Un scalpel. Ok, donc c'est nous qui Bonjour, avons. La métaphore. Et exposer le barrage qui fait que. Où ces gens sont en tout perdu. Je pense pas que je sois le gentil de l'histoire, en fait. Je pense avoir un petit peu des doutes sur les mecs qui me... avec qui je travaille. Qu'on se batte ici, là. Arrêtez. J'écoute pas, lâche-moi. Invisible.
venez par là. On va faire un truc simple. Ah non, je vous vois plus là. Ok. On va faire quoi? Carrément la bombe en fait. Compris. Il y en a encore plus là, non? Tiens, plus de pouvoir là maintenant. C'est tout à moi. Et puis on va se la jouer comme ça, tu vas voir. En mode fini, mon gars. Voilà. Et ouais, mon gars. Je peux débloquer un Y, il manque toujours un X, donc c'est pas intéressant. Des leapers partout. Le quartier est infesté. C'est inévitable. L'avantage, c'est qu'ils attireront l'attention pendant que tu t'approcheras du siège de Memorize. Wow, c'est dangereux quand même. Pourquoi vous nous avez fait ça? Oublie-moi. Oula. Je peux pas le taper, ça m'inflige des dégâts carrément. On va le faire comme ça. Ah mais attends, mais même là comme ça, ça me fait des dégâts. Je fais alors, si je peux pas le taper. Ouais, non. Même à 10 ans, je peux pas l'attaquer. Pas compris.
contre, s'il y avait un petit, moyen de régène là, c'est parfait. Zone de soins, quoi. Non, il n'y en a pas. J'ai été sûr. Ah, bah en fait non. Non, ah. J'ai fait n'importe quoi, c'est pas dans ce sens là qu'il faut, que je les faut que je les bloque à l'intérieur des volets. Faut que ce soit moi qui me sois à l'intérieur des volets. Là. Ah ouais, par contre problème, l'autre. Hop, là on le met dedans. Là il va falloir être rapide. Voilà, comme ça. Ah, ça, je veux ça. Ah, mais oui, je suis mort. Edge, je suis face au siège de Memorize. L'eau a noyé les premiers étages. J'entre comment, gros malin? T'as bientôt fini de râler. Il y a un accès réservé sur le toit du bâtiment. Tu vois, j'ai tout prévu. Oui, pour être reculagé aussi. Oh. Si tu avais vraiment tout prévu, j'aurais pas fini en tôle pour meurtre. Ok, bah là ça m'intéresse pas de position. Ah, bah, c'est limite quand même, hein. T'as pas moyen de se rapprocher un peu là. Je pense pas que je puisse sauter jusque là-bas. C'est un peu débile quand même. Oui, évidemment. Là, je peux. Je suis le tapin. Ah, ce tapin. Je vais pouvoir tourner avec lui ici, non? Ouais. C'est le tapin. Les criminels les plus recherchés. Incroyable. Ah, c'est fermé. Edge, ton idée marche pas.
Est-ce que tu aurais un plan B? Je décrypte leur message. Le bâtiment est verrouillé. Tu dois trouver un capitaine Crass et voler ses codes d'accès. Fais gaffe, Frangine. Il est dérangé et dangereux. Ok. Il faut bouger. Parfait. Où je peux le trouver? Prendre des risques. Laisse-moi le temps d'Aug localiser sa position. Il y a moyen que ce soit lui qui me trouve avant. Salut Nilin. Ah ben je voilà. Te propose un petit jeu. Il m'a... Tu te rends sans résister, mais je t'abats quand même. Edge, le capitaine Trass. Il m'a trouvé. Oui, mais non, mais là c'est pas équitable là. Moi j'ai pas des hélicoptères qui font ça moi. Wow. C'est pas facile la survie à la troisième personne. C'est lui le grand méchant loup. Ah, j'ai trop avancé. Oh. Elle s'en allait voir Merlin avec un panier rempli à ras. Mais un grand méchant loup était là. Cette fois ça passe. Avec un panier rempli à ras. Mais un grand méchant loup était là. Qui l'attendait dans les bois. Oh, comme ses dents s'aiment les. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, on est dans le bâtiment, on doit être un peu plus sûr là. Ah ben. Et toi, Nilin, quelle petite quenotte tu as? C'est juste horrible. Vas-y, Nilin, la survie! La survie, Nilin! Non, Nilin! Sérieux? Oh non.
train de survivre à un hélicoptère, les gars. À un hélicoptère. C'est vrai que ces deux bouffons dans votre genre qui vont m'arrêter. Aïe. Commencer, hein. Quoi? Bah, je sentais bien le moment où il fallait sauter en fait. Mais il fallait pas sauter. Ah ouais, mais bon, si tu sais pas de quel côté il faut partir, forcément. Non, va de l'autre côté. Bonjour, bonjour. Désolé d'entrer chez vous comme ça. Mais non, il va pas quand même tirer dans l'appartement. Il calme un mythe. Ah non, putain. Ah putain, il y a le gars qui peut pas attaquer. Ça c'est fait. Là tu vas me tirer dessus, non? Évidemment qu'il va me tirer dessus. Courez, fuyez. Quoi? Mode défensif activé. Deux secondes. L'Ibub se défend. Il s'est pas mis en défense, et si il s'est mis en défense aussi. Hop, c'est par là.
Nilin, arrête de jouer avec ce crétin. S'il te prend par surprise... Ouais, ok, j'ai ma dose de commentaires, merci. Vole le code dans sa cervelle d'oiseau et trouve Scylla Quartier Wells. Je crois que j'ai une idée. Reste sur le coup, Frangine. Ce type ne rigole pas. C'est ça ton super plan ? Te serrer dans un coin ? C'est terminé, Nilin. Montre-toi ! On va se laisser jouer. Furtif. Qui aurait pu croire ça ? La grande Nilin croit réellement que tu peux m'échapper. Ah mais je suis reparti dans le mauvais sens là. Ah mais je suis trop con. Tu n'as aucune chance. Ouais Lucia. Qu'est-ce qu'il y a? Miaou miaou miaou. Qu'est-ce que tu veux? Et quoi? Tu veux prendre ton temps? Très bien. J'aime bien faire du plaisir. Qu'est-ce que tu veux Lucia? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Miaou quoi miaou? Par Mamako, non? T'as pas de thé, t'as ton miam miam, t'as tout ce qu'il faut. Alors, encore des papouilles. Et puis, toujours des papouilles. Et en fait, je crois qu'elle peut monter sur le haut de l'avion. Ouais, oh! Mais ce petit chaperon rouge a fait de quoi? De botter le cul! La place! Ah ouais! Chose peut-être, je peux pas le faire. Boum. Non, plus boum. Wesh. Ok, Edge, tracé au tapis. Et j'ai le code d'accès. Pas le temps de distribuer des bons points, Frangine. Tu dois trouver Scylla Quartier-Wells et la persuader d'abandonner le projet reconversion. Go! Go, 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 allez, on n'a pas le temps. Non. Ah, tu peux pas monter. Faut descendre. Ah, il est de retour devant Memorize. Non, on va rentrer dedans. Trace a criblé le QG de balles. Mais quel cinglé! Oh oh. Quoi ce truc à côté? On m'écoute, les clébards reconvertis. C'est l'heure de la galère. Chopez-la! Oui! Oui! Chopez-la!
Ah putain, il y a des contrôles. Ça c'est fait. Ouais, il y en a encore. Ah, c'était qu'une seule vague, j'imagine. Et ouais. Pas des plus faciles, ça. Il y en a encore des comme lui en fait, surtout. J'ai pas visé le bon. Genre moi il a plus de petit. Ah mais attends, ce que je peux faire. Ah, il y a des petits robots aussi. Alors attends, un peu du focus. Attends, mais je peux toucher à la main? Ça va bien. Ok. Non, faut que j'arrive à choper eux. Très bien.
temps là pour en faire monter. Et ça descend bien. C'est hyper serré là. Elle est esquivée. Cool. Voilà. C'est bon. Faisons un peu de neuromancie. Active la rémanescence du capitaine Trace. Laisse parler sa mémoire brisée. Et ensuite. Il y a pas le code, c'est ça, ouais. Et du coup, j'ai quoi? J'ai le code, c'est ça? Ouais. Ah, je vois que j'active dans l'ordre du coup. Mon premier ne se sent plus seul. Mon deuxième peut être absolu. Mon troisième a tous ses sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Et mon tout peut franchir la porte. Un, zéro, le zéro absolu. Les cinq sens. Et le dernier tricote comme une araignée. 8. Zéro, 5, 5, c'est à combien? C'est 8 pattes, non? 6 pattes. Non. Mon premier ne se sent plus seul. Ah, le premier c'est peut-être 2. Mon deuxième peut être absolu. 2, 0. Mon troisième a tous ses sens. Les cinq sens. Mon quatrième tricote comme une araignée. Ouais, le 8. Voilà, c'est ça. C'est juste le premier que j'avais faux. Mon premier ne se sent plus seul. Évidemment que c'était le 2. Et 1, il est toujours tout seul. Et voilà, reconversion. Le grand projet de Scylla Cartier-Wells. Des leapers transformés en main d'œuvre jetable. Trouve cette garce et remets de l'ordre dans sa cervelle pourrie. Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la force sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent en notre faveur. Ces inondations vont faciliter le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à 2 chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. Ok. Madame Cartier-Wells est une garce hors catégorie. Ça va être dur de passer là. Il n'y a pas beaucoup de... Peut-être à côté du fauteuil là. Non, je peux pas y passer à côté du Cessez fauteuil. Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la force sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur. Là, je... Alors peut-être de l'autre côté, ça se présente pas de la même façon, je vois. Ces inondations vont faciliter le placement du projet reconversion. Les premières projections nous prédisent une marge à 2 chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches.
Cessez de paniquer et au travail. Vos familles sont protégées par la force sabre. Et nous avons un calendrier à respecter. La peur et le chaos jouent en notre faveur. Ces inondations vont faciliter le placement du projet reconversion. Les premières projections nous donnent une marge à deux chiffres pour le prochain trimestre. Alors laissons aux événements le soin de nous remplir les poches. La marge de passage, elle est extrêmement fine en fait. Cessez de paniquer et au travail. Edge, j'ai trouvé le bureau de cette ordure. C'est un bureau, ça ? Cette femme était une bonne personne avant son terrible accident. Mais pas mal, hein ? Je pourrais lui faire oublier ? Ça ne restaurerait pas sa beauté. Non, rends-la responsable du drame qui l'a mutilée. Apaise sa rancœur. Elle doit cesser d'en vouloir au monde entier pour ses souffrances. C'est parti. C'est pas normal, il va se passer un truc là, non ? Philippe, vous me dresserez une liste des cadres qui ont quitté leur poste malgré mes instructions. C'est noté. Autre chose ? C'est tout pour l'instant. Espèce de pleutre. Incapable de supporter la moindre souffrance. Vous allez vous jeter sur nos forfaits d'effacement traumatique plus vite que des réfugiés sur un verre d'eau. Vos faiblesses feront ma fortune. Oh. Pas du tout. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je n'oublie rien. De la mémoire. Et je crois qu'il faut qu'on prenne qu'elle est responsable de... je sais pas quoi. Mais... son trauma, a priori. De son accident. Et d'en vouloir au monde entier de son accident, je pense. Ils ont commencé les travaux du périphérique. J'ai été déviée par New Belleville. Et ça roule mal. Tu as trouvé Jax. Jax. Oui, je l'ai. Et l'année prochaine, c'est toi qui seras de corvée d'anniversaire. Ta fille est impossible depuis qu'elle m'a vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé la journée au labo. Tu as eu le temps de lire mon mémo sur la thérapie mémorielle. On a fait une course avec maman. Coucou, ma princesse. Il faut être bien sage avec ta mère, promis ? Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. Tu imagines les possibilités ? Gestion de la mémoire humaine. On en reparle demain, d'accord ? Dans l'immédiat, j'avoue que je ne serais pas opposée à l'idée que ta fille oublie que c'est son anniversaire. Ça suffit, Liline. Tu te calmes maintenant. Elle est insupportable, petite. Tu auras ton cadeau à la maison. Niline, reste assise tranquillement. Maman, regarde! Niline, retourne à ta place. Niline, à ta place, tout de suite! Sécurité, enfant, verrouillée. Maman essaie juste de te protéger. Ne refais jamais ça. D'accord? Les voitures ne sont pas automatiques à cette époque. Maman ? Maman ?
Le café n'a pas bougé. Hein. Maman, tu l'avais dit. Tu vois ce qui arrive. Hélène, ma jambe. C'est de ta faute. Ah oui, quand même. Pardon, maman. Mais du coup, là, on est dans les souvenirs, dans la tête de la petite. Oui, c'est ça. Donc, on est dans la tête de la petite. Et non, non, on est dans la tête de la mère, en fait. Et rend sa fille responsable du truc, quoi. Maman essaie juste de te protéger. Ok. On revient au début du souvenir. Alors, qu'est-ce qu'on a là comme... désactiver l'airbag, non. On veut pas la tuer non plus. Ma chérie. Okay, on peut l'ouvrir à la limite. Lui mettre un film, la petite. Ça roule mal. Je l'ai. Prochaine, c'est sera la nuit. Voici le mal de mon cadeau. Moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je l'ai. Cadeau. Donne-le-moi. C'est la journée. Tu as eu le moment de rater. Oh, Max, être bien respectable, promis. Charge de client de ton le calmir sans argument. J'ai écouté. Tire-moi. Pardon. C'est quoi ça? C'est pas vrai. Ah oui, mais du coup là, il y a pas d'accident. C'est pas bon ça. Ou petit accident. Et ça roule mal. Si le poste sont copiés, est-ce que ça change quelque chose? Oui, non, je pense pas. Le copier interfère l'écran pour la petite, ça fait qu'elle fait moins de conneries, peut-être qu'elle peut moins lui en vouloir. On va retenter un truc. Là, ça peut être pas mal. Elle chercherait pas à prendre un truc dans son sac aussi.
Jack, c'est quoi? Ah, mais c'est le jouet, Jack. Attends, si on l'allume, elle va vouloir l'arrêter, peut-être. Tu as trouvé Jax? Jax, Jax! Oui, je l'ai. Et la nécaine, toi qui veux l'allumer. Attends, c'est quoi là? A vu acheter son cadeau. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'ai passé vraiment drôle. C'est carrément repos. Ah oui, d'accord, carrément. Charles, je doute que les clients acceptent ton idée. Le stockage de souvenirs me semble un argument plus vendeur. J'aimerais savoir faire ça. Oublie, c'est ton anniversaire. Moi aussi. Est-ce que tu veux venir te promener? Moi, je joue avec la peluche. Je comprends mieux ce retour au calme. Je vais te présenter à des gens que je connais. Mais vous êtes trop adorables tous les deux. Là, il n'y a pas d'accident. C'est pas bon. Si je fais le pare-brise. C'est quoi ça? Le café qui donne dans le sac. Ah, le ah. Mémo. Gros mot, gros mot. Ton père va me tuer. Okay. Ça peut pas être la faute de la petite. Là. Maman. Maman. Nilène. Ça va aller. Ce n'est rien. C'est de ma faute, ma chérie. Ah, cool. Oh, ma jambe. Faut juste occuper la petite quoi. Maman. Néline. Mais non, mais oui. Ta jambe. J'aurais dû être plus prudente. Mais le jour de ton anniversaire. Oh, ma fille. Comme je regrette. Moi aussi, je suis désolée. Mais du coup, elle ne le savait pas encore, en fait. Ironique, non? La présidente de Memorize, qui refuse d'oublier le pire jour de sa vie. Je vais tout oublier. Tout oublier. Madame, l'agent héroïste a été repéré à votre étage. Une phalange vient sécuriser la zone. Merci, Philippe. Je les attends. La vie nous a séparés. Mais tu restes ma fille. Je ne te ferai jamais rien de mal. Maman, je... Vas-y. Phil ! Ça mène sur les toits. Phil ! On ne s'oublie pas. Philippe, dès demain matin, nous réévaluerons la stratégie du projet reconversion. Pour l'instant, rentrez tous chez vous. Retrouvez vos familles. Vous aussi, Philippe. Bien, madame. Merci, madame. Mais du coup, tout va bien alors maintenant. De sa vérité, homme sans nos douleurs. Bon, je crois que si j'ai fini le chapitre là, je suppose que oui. Je suis la fille de Cilla Cartier-Wells. Ça mettra la fin. Je suis l'héritière oubliée de la dynastie Memorize. Quel genre de blague impossible est-ce? J'ai commencé à reprendre pied, à trouver un sens à mes actes. Et me voici de nouveau à la dérive sur une mer d'incertitude. Dans quel jeu tordu Edge m'a-t-il entraîné? Comment pourrais-je encore lui faire confiance? Pourtant, il veut encore me démontrer la justesse de son combat. Alors, une dernière fois, j'accepte de suivre ses instructions. Profondément enfoui sous la Bastille, dit-il, se cachent les secrets honteux de Memorize.
La justification du remix d'une mère par sa fille. Une mère que j'avais oubliée. Je dévore mon passé, au nom d'un avenir meilleur. Mais je suis fatiguée de courir. Et je veux des réponses. Noyau pourri. Tout seul de la Bastille. Voilà, bon, je pense qu'on va arrêter sur ça pour ce soir. On reprendra ça bah, peut-être dans la semaine. Demain soir, je pense qu'on fera du Metroid Dread. Voilà. Hop, ça, c'est bon. Et ben, sans plus attendre, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et évidemment, je vous dis à demain si vous le souhaitez pour la suite de Metroid Dread. Celui-là, je pense qu'on le finira, on le continuera, peut-être finira mercredi ou jeudi, à voir. Voilà, allez, des bisous, ciao, ciao.